Email check and on the track. Carrie. Royal de pur sang, un pouvoir macabre. T'as condamné à l'asile, t'avais rien demandé. Violé à 17 ans, puis interné. Comme ta mère. Condamné à être simplement stérilisé. Station Vivienne entre la prise. Qualifié débile mental avant même d'avoir existé. Même si les avocats de la défense te méprisaient, toi t'as eu le courage de dire les choses. Méprise. Et eux ils sont bien marrés. Mes hommages, madame Carrie Buck. Mes hommages, madame Carrie Buck. 2020, pas trop de changements, malheureusement. En 100 ans, c'est devenu un peu critique, mais bon. On te vend discrimination positive et commande d'enfants sur catalogue. À la demande, on qualifie l'humain de faible. Carrie Buck. Au moindre doute, qualifié de faible d'esprit. Après tout ce que t'as subi, ta pauvre mère condamnée à l'asile pour prostitution. Toi sûr de ta fille, femme de ménage, contribution. On t'a volé ton enfance, ta matrice, ta jeunesse. Isolée de ta famille, ouais. Moi je tiens à te dire bravo parce que du haut de tes 17 ans, t'as su dire non devant la Cour suprême. Les hommages à Carrie. Carrie Buck. Mes hommages à Carrie Buck. Carrie Buck. Elle au moins elle a su dire les choses. Eugénisme bien caché derrière des super-héros imposés. On te vend des sous-hommes frustrés en prêchant la bonne parole. Tu connais. Dans la tête des sons bleus, y'en a certains qui sont plus qualifiés que d'autres à se reproduire. Merci, Carrie. Moi je dis qu'il faut éradiquer ce genre de pensée. Sinon on peut pas avancer, non.